tous, on se retrouve pour la finale de cette 87e Coupe du Monde d'Animal Crossing. Bonjour Thierry, comment allez-vous en cette journée sportive ? Eh bien ça va très bien Stéphane, et effectivement, vous le dites, ça va être sportif et explosif même comme finale, car on va retrouver eh bien la joueuse française Anaïs Grenier, qui va bien sûr affronter le joueur américain... Merde, c'est quoi le nom de ce connard déjà ? Eh bien il s'agit de James McDick Davy. Ah, on me dit que la partie va bientôt commencer. Ah, effectivement, on voit que la joueuse française s'approche d'un arbre. C'est un poirier. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle le secoue. Incroyable action de la part de la joueuse française qui la propulse directement en tête de ce combat. C'est hallucinant. Ah, ça me rappelle Stéphane, la demi-finale où elle avait clairement roulé sur cette grosse conne de Suédoise. Oui, tout à fait, mais parlons quand même un petit peu de l'américain James McDick Davy. Oui, tout à fait, Stéphane. Et d'ailleurs, eh bien, le joueur américain est en train de remplir son inventaire de navets. On imagine qu'il a été dimanche dernier acheter ça chez Porcelette. Oui, tout à fait Thierry, on le voit d'ailleurs qui se dirige vers chez Méli Mélo. Nous sommes dans l'expectative. Et nous allons d'ailleurs même connaître le taux dans quelques instants. 3, 2, 1... Il a dans le cul. Quel taux de merde. Il a beaucoup moins de veine que lors des demi-finales où, on le rappelle, il avait littéralement roulé sur le russe Pietrov Djapovski, qui avait littéralement fait n'importe quoi. Ah bon, on peut même le dire clairement, Stéphane, il était bourré. Oh, je pense, oui, je pense. Ah oui. Je ne comprends plus rien, il en est à son 14e trou. Mais que fait-il? Mais je crois... Mais oui, il décèle une pite. Une belle grosse pite dans le sable. Il a complètement perdu la raison. C'est la disqualification. D'ailleurs, j'ai appris sa mort ce matin, mon cher Stéphane. Malheureusement, il a voulu couper un arbre devant son hôtel. Et il a pris un retour de hache dans la gueule. C'est le Zien. Ciao l'artiste. Eh bien, nos pensées vont bien évidemment à sa famille. Ah, je vois qu'Anaïs est en train de sortir du jeu pour aller dans les paramètres de la console. On dirait qu'elle s'apprête à voyager dans le temps. N'est-ce pas éliminatoire ça, Thierry ? Oh non, c'est tout à fait toléré, étant donné que la majorité des joueurs de ce jeu trichent un peu comme des petites putes en voyageant dans le temps. Donc, c'est toléré. Eh ben écoutez, très bien. Oh mais attention, regardez le joueur américain, il s'approche de la rive. Oui tout à fait Thierry, il se rapproche de la rive, on le voit qu'il arrive sur le sable, il sort sa canne à pêche. Ça va? Il pêche un bar commun. Car au baratin, putain, l'humour d'Animal Crossing est dingue. Mais je ne sais pas qui sont ces auteurs, mais effectivement c'est brillant, Ah oh oui. Regardez Thierry, l'Américain continue sur sa lancée. Mais oui, il est en train de cueillir des fleurs. Oh là là, j'espère qu'il va les offrir à un habitant et qu'il ne va surtout pas aller voir Méli Mélo pour aller bien sûr les vendre contre quelques clochettes comme un petit bâtard de capitaliste. Oui tout à fait, mais regardez Anaïs qui est clairement en train de faire quelque chose de fou. Elle est en train d'arroser ses fleurs, mais c'est tellement gentil. Mais Stéphane, ce que nous sommes en train de voir est totalement dantesque, mon Stéphane. Anaïs, elle est incroyable, c'est dantesque. Mais oui Thierry, je pense que nous tenons là notre future championne du monde. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il va falloir rendre l'antenne pour une courte page de pub. On se retrouve bien évidemment dans 19 minutes. Et comme dit Marie dans Animal Crossing... Putain, t'es con, Stéphane. Moi, dans la vie, j'utilise UltraVush, car il hydrate mon cuir chevelu et fait briller mes pointes. Nouveau Ultra Vush, à l'extrait de violette, pomme et maroilles.